contente de te voir, Marie. Exactement. Bonsoir. Comment tu vas? Bonsoir. Non, je vais très bien. Je vais très bien. Et toi-même? Oui, très bien, très bien, très bien. Il y a beaucoup de personnes qui se disent, mais SCCA, c'est les ingénieurs. Ce qu'ils ne savent pas, c'est que c'est carrière professionnelle. Et quand on dit carrière professionnelle, c'est même les journalistes, c'est les médecins comme toi, hein? Et j'ai eu l'honneur, j'ai eu la chance de travailler, de collaborer avec toi. Et raison pour laquelle tu es là aujourd'hui, parce que tu as voulu partager ton parcours avec les uns et les autres, histoire de les encourager, hein, pour ceux qui sont encore sur les bancs en train d'étudier, pour ceux qui ont déjà peut-être terminé et qui veulent chercher un travail, et mieux encore, pour ceux qui sont en Italie et qui voudraient venir travailler en Allemagne, parce que c'est ta situation. Donc, est-ce que tu veux te présenter brièvement, hein, qui est Dr Japni? Voilà. Alors, déjà, bonsoir à tout le monde. Et puis, je tenais déjà à dire merci, merci pour l'invitation. Merci de me faire cet honneur-là, de passer sur ton canal. Vraiment, j'ai déjà vu plein de personnes qui sont venues avec d'excellents profils. Donc, moi aussi, que je vienne là comme ça, je sens que je suis quelqu'un. Donc, qu'est-ce que je peux dire? C'est que, voilà, je suis docteur en médecine, diplômée déjà depuis fin 2019. Et après quoi, j'ai eu à travailler aux urgences en Italie tout juste pour 6 mois. Donc, du coup, j'ai quitté l'Italie juste avant le pic. Et voilà. Donc, je suis venue en Allemagne. J'ai fait des cours pour apprendre la langue parce que je partais vraiment d'un niveau 0, 0, 0. Et puis, voilà. Maintenant, je suis là. Je suis bien installée. Tout se passe bien. Je suis également maman, du coup. Je suis maman, je suis épouse et femme épanouie. Voilà comment est-ce que je pourrais me présenter dans les grandes villes. D'accord. Faut dire que mon premier examen qui était l'anatomie, tellement j'avais peur de parler que quand la professeure, elle me posait les questions, en fait, j'avais demandé à répondre, mais à l'écrit. Donc, j'avais demandé une feuille et puis je répondais à l'écrit. Sauf qu'en anatomie, je crois qu'on avait 3 ou 4 professeurs, en fait. Donc, je suis passée chez la première, elle a accepté, deuxième, elle a accepté, troisième, elle a accepté. Sauf que la quatrième, elle m'a dit, il va bien falloir qu'à un certain moment donné, tu te rends compte que tu es un futur médecin. Donc, tu dois parler. Tu dois faire cet effort. Oui, tu es dans un pays étranger. Tu parles dans une langue que tu as apprise, mais tu vas vivre là pendant longtemps. Donc, il faut que tu parles. Et donc, du coup, quand elle me posait les questions, elle a refusé que je réponde à l'écrit. Et c'est comme ça que j'ai commencé à parler plus facilement l'italien, Oui. même pendant les examens. Donc, voilà. Et on avait quelques examens qui étaient écrits. La plupart du temps, c'était les QCM. Oui. Et comment dire, quand tu es étranger, il faut que tu aies toujours le tuyau, si je peux parler comme ça. Donc, être dans les groupes où parfois on va te mettre les anciennes épreuves que tu pourras Oui. traiter. On va te mettre aussi les résumés de cours, parce que prendre tout un livre et le lire en entier, il faut dire que c'est quand même une erreur aussi que j'ai fait Oui. au début. Et ça m'a perdu énormément de temps parce que tu passes beaucoup de temps à dire des choses qui ne viendront pas à l'examen. Oui. Donc, oui, autant de choses. Donc, se lier d'amitié avec quelques personnes. Et voilà, toi aussi, te rendre utile. Étudier aussi en groupe, ça peut aider pour. Parfois, non. Mais si tu peux, oui, il faut le faire. Après, pour être honnête, il y a quand même eu une période où j'ai un peu broyé du noir, où je ne m'en sortais plus parce que le manque de la famille, je ne sortais plus du tout. Même pour voir mes copines, j'étais tout le temps enfermée à la maison. On peut dire que c'était une sorte de mini-dépression. Je ne sais pas si c'était ça. Mais une fois qu'après, je suis rentrée au pays, que j'ai vu mes parents, je suis revenue, j'étais vraiment requinquée. Et en plus de ça, j'avais aussi accumulé vraiment un grand retard. Parce que, Oui. il y avait plein de matières que je n'avais pas données à temps. Ce qui fait que je me suis retrouvée en 6e année avec 14 matières à donner en une seule année. Alors que Oh. normalement, oui, normalement, la dernière année, c'est une année vraiment de stage et tu as juste 3 examens à passer. Oui. Mais moi, j'avais accumulé tellement de matières que j'avais 14 matières avec
avec les stages encore à faire. Ça fait beaucoup quand même Et voilà, ça fait, c'est énorme, c'est vraiment énorme, c'est énorme. Oui. Et donc, du coup, j'ai quand même réussi à valider ces 14 matières-là en une seule année. C'est vraiment un espoir pour vous dire. Tellement de gens m'ont félicité, m'ont demandé c'est quoi ton secret? Est-ce que tu as eu le Saint-Esprit qui est ancré dans toi et tout? Mais non, ça a été vraiment beaucoup de travail. Je me suis coupée de beaucoup de choses. J'avais une chaîne YouTube à l'époque qui avait plus de 10 000 abonnés. J'ai dû supprimer cette chaîne-là vraiment pour me reconcentrer. Et puis, je me suis donnée à fond. Je dormais en bibliothèque. Je ne sortais pas. Franchement, je donnais une matière aujourd'hui. Et dans les 2 jours qui suivaient, j'avais encore une autre matière. Ce n'était pas les petites matières. C'était vraiment des matières vraiment énormes. Oui. Mais je m'étais fixé l'objectif de réussir ces matières-là et de finir à temps. Donc, il y a une autre question de Adrien. Donc, merci pour l'éclaircissement. J'ai une autre question. Ayant un peu exercé en Italie, qu'en pensez-vous de la grille salariale pour celui ayant seulement réussi son fac prac plus fond sans demander votre salaire? Bien sûr. OK. Est-ce que les salaires en Italie sont plus intéressants qu'en Allemagne? Est-ce que c'est plus intéressant en Allemagne qu'en Italie? Alors, très intéressant. Je vais répondre assez rapidement parce que j'ai vraiment fait une vidéo très spécifique sur ma chaîne qui parle de ça. Et pour vous dire, les salaires en Allemagne sont tellement plus intéressants en Allemagne que je peux pas regretter. Quand je voyais un peu ce qu'un médecin en spécialisation en Italie gagnait, je trouvais que c'était de l'exploitation. Pour tout le travail fourni, pour toute la charge mentale que ça demande, c'est tellement payer une misère que non, moi je peux pas encourager, d'autant plus que je me dis, bon, c'est pas mon pays, après si je pars, tant pis. J'ai pris ce que j'avais à prendre et puis je continue mon chemin, je viens en Allemagne, je me sens bien, je suis bien payée, je suis valorisée dans ce que je fais. Quand je vois ma fiche de paye, je dis oui, c'est bien. Donc, c'est tellement mieux payé. Et pour te donner un exemple, je sais qu'en Italie, un médecin en spécialisation touche environ 1480, 1500 euros. Alors qu'en Allemagne, tu te retrouves en train de toucher le double, pratiquement. Le double ou sinon plus. Maintenant, ça dépend encore de ta situation familiale et tout, mais oui, tu touches facilement le double. Merci là-bas, Winnie. Et tu vas peut-être nous parler déjà de ta relation avec SSR, c'est-à-dire que tu fais tes cours de langue, tu fais le fac, prac, prüfung et tout, et vient le moment où, bon voilà, tu te rends compte que en fait, je peux travailler. Et tu commences à chercher du travail. Donc, comment ça se passe pour toi, la recherche de travail, et puis dans ta rencontre avec SSR, parce que on a travaillé ensemble, c'est quoi les grandes lignes hein, de la collaboration? Oui. Donc, quand moi déjà j'avais réussi mon examen de B2 et que je m'étais inscrite l'examen de fac, je crois que j'ai directement commencé à chercher le boulot. Quand je commençais, je regardais un peu sur les sites qui sont disponibles et je me suis même établi un profil LinkedIn. Après, j'ai reçu des emails des entreprises qui se chargent de chercher des médecins pour des hôpitaux. Et donc, quand ils venaient à moi, je leur disais, bon, il ne me manque que l'approbation, mais sinon je compose ça telle date et je vais le réussir. Donc il me disait, oh, tu es quand même confiante. Je dis, oui, je suis confiante, donc je sais que je vais réussir. Et donc c'est comme ça que ça s'est fait. Et j'attendais juste de réussir pour enfin valider ma candidature et tout et tout. Sauf que j'avais déjà une idée quand même de d'où est-ce que je voulais travailler. Je m'étais déjà fait un CV que j'avais envoyé à ces différentes agences là. Et pour mon profil, en fait, il ne manquait que l'approbation. Une fois que j'ai réussi mon approbation, je me suis dit, bon, je sais où je veux travailler. Et les agences en question n'ont jamais envoyé mon profil où est-ce que je vais travailler exactement. Et je me suis dit, pour quand même être sûre d'avoir toutes les chances de mon côté, peut-être qu'il faudrait que je m'établisse un bon CV. Surtout que j'avais déjà entendu parler de toi de par tes lives. Je suis aussi en contact avec mon mari, même les membres SSR et tout et tout. Et voilà, après quoi, quand même, je n'étais pas encore sûre de la chose, tu vois. Je me suis dit, bon,
Peut-être je pourrais m'en sortir seule et je suis allée sur le site en question de l'hôpital pour voir s'il n'y avait pas d'offre d'emploi. Et tellement ma surprise était grande de constater qu'il n'avait aucune offre d'emploi en orthopédie. J'ai dit quoi? Donc ça veut dire qu'ils ne vont jamais me prendre, tu vois. Donc là maintenant, c'est là que je me suis dit, bon, pour être sûr que quand même mon CV va taper à l'œil, mon mari m'a proposé que tu fasses mon CV. Oui. C'est vrai qu'au début, je me disais, mais moi-même, mais je peux quand même faire un CV. Et quand vraiment il a encore bien lu mon CV, lui-même, il m'a présenté. C'est là que toi-même, tu ne vois pas que, quand même, ce n'est pas au niveau, tu vois. Parce que pour moi, quand j'avais fait mon CV en Italie, c'était vraiment simple. Tu mets seulement les lignes, là, tu écris, vite fait ce que tu as fait, et puis c'est bon. Et moi, c'est comme ça que j'avais trouvé mon boulot. Donc, je pensais que ça allait être aussi simple. Ma Oui. sœur, qui est aussi ici en Allemagne, je voyais comment est-ce qu'elle faisait ses CV. Les gens prenaient vraiment des photos professionnelles. Alors qu'en Italie, quand moi, j'étais en Italie, c'était une photo vite fait que tu as pris comme ça. Et puis Oui, oui. tu coupes, et puis tu mets, tu vois. Et donc, au final, vous avez pris. Donc, mon mari a pris contact avec toi. On a envoyé mon CV que j'avais préparé. Et c'est comme ça qu'après, tu as ressorti un CV quand j'ai regardé le mien et ce que toi, tu avais fait. J'ai dit non, c'est pas possible. C'était tellement. C'était limpide, bien préparé, avec les couleurs qui accrochent, tout. C'était facilement lisible, en fait. Oui. Sans avoir besoin de tout lire du début à la fin, c'était facilement lisible et compréhensible. Et la lettre de motivation aussi que tu m'avais faite, c'était vraiment rien à dire. C'était vraiment très, 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 très bien écrite. Donc, c'est comme ça que, une fois que tu as fait mon CV, je me suis dit, là maintenant, je peux entrer en contact avec l'hôpital. Et voilà quoi. J'ai cherché les numéros, j'ai appelé, je suis tombée sur le standard. Ils m'ont même dit qu'il n'y a pas de poste à pourvoir là-bas. Mais elle m'a quand même donné le numéro de la secrétaire de Oui. l'orthopédie. Et quand j'ai appelé, elle m'a dit, d'accord, envoyez votre CV, on verra bien. Et une fois que j'ai envoyé mon CV, 2, 3 jours, boum, on m'a appelé pour me dire que mon CV était intéressant et que je devais venir pour un entretien d'embauche, en fait. Exact. Encore que moi, je n'étais pas prête. J'étais vraiment pas prête pour un entretien d'embauche en physique. Et voilà, mon mari m'a dit, bon, peut-être que pour bien te préparer, il faudrait que tu te prépares que je me prépare avec toi. Oui, Mais oui. à cause aussi de ce manque de temps-là, tu as vraiment constitué un ensemble de questions qu'on pouvait me poser à l'entretien, tu vois. Et avec ces questions-là, je n'ai même pas eu besoin de revenir vers toi parce que les questions étaient déjà claires, mais il y avait aussi les réponses déjà Oui. préparées. Ces réponses-là, après, doivent être adaptées en fonction de la Bien personnalité de sûr, tout un bien chacun sûr. et du niveau de langage de tout un chacun. Parce que toi, tu as un certain niveau d'allemand. Moi qui suis novice, il y a des mots que je ne me Exact. sentais pas de les prononcer. Tu vois, je n'étais pas vraiment encore trop familiarisé avec ce niveau de langue-là. Et du coup, je reformulais les choses à ma sauce et j'écrivais même vraiment pour que que ça reste dans ma tête. C'est comme ça qu'en me présentant l'entretien d'embauche, je suis arrivée vraiment. Parce que j'ai eu un peu un problème avec la garde de ma fille. On arrivait vraiment pile poil à l'heure. J'étais un peu stressée, mais quand tu es bien préparé, c'est vraiment ça. Quand tu es bien préparé, qu'on te pose les questions, tu n'as pas besoin de poser quelques minutes d'attente, le temps de Oui. réfléchir à ce que tu vas sortir comme réponse. La conversation est vraiment fluide. Donc, quand mon chef me posait une question directement, je répondais. Je savais où est-ce qu'il voulait aller parce qu'il y a souvent aussi les questions qu'on te pose. Tu ne sais pas réellement ce qu'il veut. Tu sais Derrière. pas, tu es un peu perdu. Qu'est-ce qu'il veut savoir? Mais là, vu que tu avais déjà formulé les réponses, expliqué même souvent pourquoi est-ce que ces questions-là reviennent et tout. Pour Exact. moi, la conversation était fluide. On a passé pratiquement 50 minutes à parler. Je ne me suis même pas rendu compte que autant de temps était passé. Et même dans tes questions, tu disais qu'il fallait souvent préparer aussi les questions que nous, on devait poser parce que ce Exact. n'est pas juste un endroit où tu pars et on te bombarde des questions. Toi aussi, tu dois préparer Tu dois tes faire la réponses. conversation, exact. Oui.
Oui, j'avais Okay. préparé mes questions. J'avais même aussi préparé comment est-ce que, comment je m'étais renseignée aussi sur les membres de l'équipe de Oui. l'orthopédie. Donc, sur mon chef, mais aussi sur les OVH et OVS. Je savais un peu leur parcours et tout. Et quand je suis arrivée, j'ai vu qu'il n'y avait que mon chef et j'étais bien préparée sur son cas. Je savais qu'il avait étudié à l'étranger. Je savais qu'il avait fait les publications, qu'il avait écrit un livre. Et j'ai même fait mention de ce livre-là en disant que je l'ai déjà acheté. Donc vraiment, il y avait de quoi être motivé pour me prendre parce que je voulais me former dans son équipe, mais en plus de ça, j'ai acheté son livre pour me former dans son équipe avec lui. Donc vraiment, après, j'ai reçu une réponse positive en quelques jours. En 2 semaines, j'avais signé le contrat. Une fois que j'ai passé mon examen de fac, je crois que en 2 semaines, j'avais déjà un contrat signé. Oui, Et ça. je n'ai passé qu'un seul entretien d'embauche. Tout Je à l'ai fait. précisé. Un seul entretien d'embauche et on m'a pris. Tout à fait. Et c'était un entretien pour lequel il n'y avait même pas de poste Il n'y à avait même l'issue. pas de poste. Il n'y avait pas de poste disponible. Il n'y avait rien. Il n'y avait pas d'offre d'emploi sur Internet. Rien du tout. Wow, OK. Non, ça, c'est une belle révélation. C'est une belle, comment je dis ça? C'est un beau parcours, hein? Je trouve ça bien. Et moi, je vais t'avouer que je suis très souvent impressionné par les SSR. Parce que je le dis toujours, c'est chaque SSR la pièce maîtresse. C'est-à-dire qu'on peut s'entraîner hors du terrain, mais une fois qu'on est sur le terrain, il faut jouer. Tu vois? Il faut jouer. Et ça, c'est Oui, chaque SSR. Mais après, pour bien jouer, il faut s'entraîner. Et parce que tu t'es bien entraîné, c'est clair que quand tu arrivais, on en avait discuté hier. Tu m'as parlé un peu des questions qu'on t'avait posées et aucune question n'était j'étais nouvelle pour toi. surprise. Je Parce que... n'étais pas du tout surprise par les questions. Oui. Je n'étais pas du tout surprise. Oh, Oui. s'il fallait juste que j'y aille comme ça de moi-même, comme on dit souvent, venez comme vous êtes. Oh là là. Oui. Franchement, j'allais avoir honte de comme je suis. Non, sans Oui. compter que tu bagarres encore un peu avec l'allemand. Avec la vie, exactement, exactement. Ah oui. Oui. Non, mais ça, c'est bien. C'est une fierté. Je suis très content de ce parcours. Et c'est dire combien quand on est bien préparé, voilà, on peut saisir les meilleures opportunités. Et je précise que tu es dans un hôpital qui est très, très sollicité, parce que ça, il faut le dire aussi, qui est très sollicité dans la zone, parce que ceux qui travaillent là-bas, c'est vrai, les médecins, ils se prennent un peu, mais quand on travaille là-bas, on a le droit de se prendre. Ah oui, ça c'est clair, ça c'est clair. Notre force, c'est de travailler tous ensemble avec détermination et intégrité. C'est bientôt la fin d'année et à l'heure où je vous parle, dans la majorité des entreprises, les budgets pour la prochaine année sont déjà faits. Notre engagement, c'est la proximité avec nos clients, c'est la qualité de nos produits pour vous offrir le meilleur et être jour après jour un acteur de référence. Notre ambition est de bâtir aujourd'hui une Afrique plus forte. Salut, ici Constantin de Super Séducteur de Recruteur pour vous hisser au sommet de votre carrière professionnelle. Portez-vous bien et à très bientôt. Nécessaire, nécessaire. Te remettre du chômage, du chômage. Et retrouver la passion, la créativité, créativité. L'engagement, l'engagement. Et enfin le résultat. Une seule nouvelle rencontre, une seule nouvelle rencontre. Tout change dans ta tout carrière. Change dans ta carrière. Avec nécessaire, nécessaire, nécessaire.